Bienvenue dans l'une des sessions quiz sur les Jeux Olympiques d'été. Une série de 12 questions va vous être présentée. Pour chacune d'elles, vous aurez 30 secondes pour faire votre choix. Les questions 1 à 4 ont 4 choix de réponse, A, B, C et D. Les questions 5 à 8 ont 2 choix de réponse, A et B. Enfin, pour les questions 9 à 12, aucune proposition, il vous faut trouver la réponse seule. Pour les questions à choix multiples, une seule réponse est possible. Vous aurez également 2 questions bonus. Il faudra vous munir de votre buzzer et agir avec rapidité pour avoir la possibilité de répondre et de marquer des points. Bonne chance à tous, sportivement. Voici les 4 premières questions. Qui propose 4 choix de réponse, A, B, C et D. 30 secondes pour y répondre et une seule proposition est correcte. So if I may now declare the 7th World Wheelchair Games or the Paralympics 1984 open. I've succeeded. In getting this far, and I'm going out to try my best to get them medals and to break my world record. People don't even notice. I mean, this chap's down here lifting three and a half times your own body weight. With a physical disability like being in a wheelchair, is that it's so visible, people can see it. Oftentimes they imagine it to be much worse than it is. But you know, we all will have certain traumatic things that happen to us in a lifetime. Disabled people reflect the same values that society has in general. Thank you.
There are four values: courage, determination, inspiration, and equality. Courage is shown by Paralympic athletes when they test their bodies to absolute limits and try things that others might not think possible. Lewis has a form of cerebral palsy, and he had many difficult operations during his childhood. But he always showed courage and pushed himself and his body to become a great athlete. Corrió los 100 metros, lanzó disco, lanzó bala y jabalina. Pero al principio me gustó la jabalina. Determination is about being mentally strong, not giving up even when it gets difficult. Ahora que participó en los Juegos Paranacionales en Cali, él me dijo, mami, me voy a ganar la medalla de oro. Ese campeón, ya yo me lo... Yo sé lo que él marque, ya yo sé lo que yo voy a marcar. Él tenía esa seguridad que se iba a ganar esa medalla. Inspiration is what para-athletes give to all of us, inspiring us to take part in sport and do our best. Luis es una persona muy importante para el grupo. Para todos los chicos con que él entrena, es el referente, es el inspirador del grupo. Motivo de inspiración para muchas personas. Su historia es visto que uno sí puede salir adelante y que con sacrificio las cosas sí valen la pena. Equality is about breaking down barriers so that everyone can take part in sport and be the best they can be, not just in sport, but in all aspects of their lives. Pero estos muchachos deportistas han logrado a través de su... Buzzer en main, soyez attentifs à la question bonus. Mais attention, si vous buzzez et que vous échouez, la main passe à vos adversaires et vous n'avez plus la possibilité de répondre. Place aux quatre questions intermédiaires. Toujours 30 secondes pour répondre et vous avez deux choix de réponses, A et B. Une seule réponse est correcte.
Tokyo, les premiers jeux du para-taekwondo. Moi, l'athlète, j'ai prêté serment. Maître de mon corps et de mon esprit. Sur le tapis, je tournoie, j'esquive, je frappe. En 3 rounds de 2 minutes, je mène le combat. Mes pieds sont mes armes. Coups circulaires, latéraux ou frontaux. Précision et réactivité font ma force. Ma cible, le plastron. Un coup direct, 2 points. En rotation, 3 à 4 points. En cas de faute, le point va à mon adversaire. J'ai un handicap des membres supérieurs. Ma lettre de classification est le K. Nous nous affrontons par catégorie de poids. Mon sport est un art. Je l'exerce avec philosophie. Je me bats jusqu'au titre. Ce sont mes exploits. Ce sont nos exploits. Je suis... Nous sommes... les Paralympiens. Para-badminton. Nouveau sport paralympique à Tokyo. Moi, le joueur, sur le terrain, je sers, j'amortis, je smash. Ténacité et précision sont mes mots. 2-7 gagnants de 21 points. Seul ou à deux, le filet toujours à la même hauteur. Seul le terrain s'adapte à mon handicap. 6 catégories. En WH1 et WH2, je joue en fauteuil, évolue d'avant en arrière, toujours la raquette en main. En SL3 et SL4, je joue debout. J'ai un handicap des membres inférieurs. En SU5, je joue debout. J'ai un handicap des membres supérieurs. En SH6, je suis un joueur de petite taille. Mes atouts, mon adresse et mes réflexes. Les yeux rivés sur le volant, j'occupe le terrain. Je connais mes points forts et ceux de mon adversaire. Buzzer en main, soyez attentifs à la question bonus. Mais attention, si vous buzzez et que vous échouez, la main passe à vos adversaires et vous n'avez plus la possibilité de répondre. Enfin les 4 dernières questions, où vous devez trouver seul la réponse en 30 secondes.
La session se termine. J'espère que vous avez pris du plaisir et appris des choses. Je vous laisse entre les mains du RAC Clinique des Rosiers qui vous a accompagné sur cette série. À plus tard, sportivement.